Bonjour, je suis le pasteur Richard Bott et modérateur de l'Église Unie du Canada. Lors de la journée d'affirmation le 14 mars, nous voulons rendre visible l'amour de Dieu qui se veut inconditionnel envers toutes et tous. Le thème de cette année est « Faisons notre part pour l'inclusivité ». C'est une journée pour faire connaître et pour célébrer les actions des personnes et des communautés engagées en faveur de l'inclusion des personnes de la diversité des orientations sexuelles et identités de genre. En tant que personne de confession chrétienne liée à l'Église unie, nous nourrissons notre foi en Dieu par les cultes et d'autres activités communautaires. Nous voulons que ces rencontres importantes se traduisent en actions concrètes pour rendre l'inclusion des personnes LGBTI réelle et authentique, avec un accueil public, intentionnel et explicite. Au-delà des mots et des déclarations, nous voulons montrer ce que signifie être inclusif dans notre communauté. Par exemple, votre communauté de foi peut rendre les toilettes non genrées. En lien avec l'organisme S'affirmer ensemble, Affirm United, faire la démarche pour devenir officiellement inclusif. Si votre communauté s'est proclamée comme inclusive, mettre un drapeau arc-en-ciel et trans à l'extérieur du bâtiment. Afficher le logo de S'affirmer ensemble, Affirm United, sur la porte d'entrée et celle du bureau de la personne responsable. Ce 14 mars, faites une rencontre avec d'autres et discutez de la façon dont vous pouvez créer l'accueil et les espaces sécuritaires pour les personnes LGBTI dans votre communauté de foi et dans votre milieu. Cet accueil public, intentionnel et explicite ne fait qu'affirmer la vérité que nous sommes tous et toutes les enfants de Dieu.